Yes, je vous reviens dans un instant. OK. Merci, Anne. OK. Bonjour tout le monde. Bienvenue à notre réunion ordinaire du 26 juillet. Aujourd'hui, Aimé m'a banni à mon office pour voir s'il va y avoir moins d'interférences des micros. Je crois que ça fait une grosse différence, hein? Peut-être un petit peu trop proche, il y avait du feedback, là. OK. Ben, c'est bon. Ben, c'est notre dernière réunion comme ça. Ben, j'espère que c'est notre dernière réunion comme ça. Et puis la prochaine fois, on va se rencontrer dans la salle du conseil, tout ensemble. OK, on va aller à l'ouverture. Là. Alors, que soit résolu que l'Assemblée soit ouverte, proposée par... Oui. Oui. Madame Nancy et Monsieur Falk. Tous d'accord? C'est appuyé. OK, c'est fait. Adoption, modification à l'ordre du jour. Y a-t-il des modifications? Non, OK. D'abord, on va aller à l'adoption. Qu'il soit résolu que l'ordre du jour soit accepté, incluant les modifications apportées, séance tenante, le cas échéant, proposé par M. Mainville, appuyé par oui. M. Falk. OK. Tous d'accord? Adopté. OK. Déclaration conflit d'intérêt. OK. Nom de noté. OK, merci beaucoup. On va aller à l'adoption du procès-verbal de réunion précédente du 12 juillet. Qu'il soit résolu que le procès-verbal de l'Assemblée suivante soit adopté et qu'il présenté. La réunion ordinaire tenue le 12 juillet 2021. Proposé par M. Brière, appuyé par M. Mainville. OK. Y avait-il des corrections, des omissions qu'il y a eu? Bon, tout est correct? Tout c'est beau. OK. Les procès-verbaux sont adoptés. On s'en va au numéro 7. Monsieur Laflèche, il y a 4 items là. S'il vous plaît, commencez, Monsieur Laflèche. L'information sur les accès à l'entreprise, le chemin de la tourbière Alfred. Oui, alors, vous avez reçu une présentation de Parc Ontario. Concernant leur processus pour réglementer les emprises de chemin qui sont à l'intérieur du bloc d'Alfred comme si c'était des terrains privés. Écoutez, je parlais avec Mme Coolings de Parc Ontario, et puis le dossier en soi, je pense qu'il y a à peu près comme 20 ans, depuis qu'ils ont le premier plan officiel des comtés, que ce projet-là est en marche. Et puis, c'est surtout... à titre de courtoisie, qui nous demande notre opinion, parce qu'ils ont le droit par la loi que lorsqu'un chemin ou une emprise de chemin qui est fermée en deux terrains protégés, sous leur juridiction, ben, ils ont le droit de protéger la portion qui est sur le chemin. Alors, c'est pas vraiment pour limiter exclusivement les accès au BOG, c'est pour les contrôler. Puis, si par expérience, comme M. le maire connaît un peu plus le BOG, il y a d'autres entrées ou d'autres trails qui allent au BOG, eux autres aimeraient ça le savoir parce qu'ils voudraient pouvoir les réglementer aussi. Comme je vous ai dit, c'est pour protéger le BOG à la fin de la journée puis limiter les accès au public là, à long terme, sans pour autant empêcher la chasse. Là. C'est quand même, c'est juste une réglementation ordinaire qu'ils font. Aviez-vous des questions là-dessus? Mais, OK, Glenn, sur des terrains de parc comme ça, est-ce que la chasse est interdite? Non. La chasse est permise. Ça ne change pas ce concept-là. C'est qu'actuellement, ils nous disent qu'en passant, les emprises de chemin, à moins que vous ayez des plans de faire des chemins à travers du bog, sinon on va les réglementer comme qu'on réglemente les terrains de parc.
qui sont à différentes agences, comme les Comtés unis, la conservation de la Nation Sud, et ainsi de suite. C'est vraiment une présentation que je voulais vous dire que, bon, ben le projet de Parc Ontario avec le Boc d'Alfred avance, mais ça fait longtemps qu'il est en... Oui, après ça, il y a un quart qui était charrié avec des trucks qui est déjà parti, puis là, ils se grouillent. OK, est-ce qu'en échange, on peut demander quelque chose? Je peux peut-être le demander, mais... Bien, OK, comme tu leur dis, la loi est sur leur bord, là, comme ça. Oh, oui, c'est, okay. Ils sont de courtoisie. Puis c'est le début du processus, là. C'est vraiment pour avoir une première idée de est-ce qu'il y a un cultivateur qui utilise une de ces emprises-là pour se rendre à un de ses champs? Fait que là, moi, je le sais que personnellement, non, là, mais c'est pour ça, non. M. le maire, si vous connaissez d'autres accès qu'on ne connaît pas, ben, ça moi, commence. Moi puis toi, on va regarder la map de plus proche, mais je pense pas. Non. Fait que c'est vraiment une présentation à titre d'information pour vous dire que oui, le Boc d'Alfred, la tourbière d'Alfred, va faire partie de Parc Ontario avec le temps, comme qui avait toujours été conçu depuis le début, depuis les années début 2000. Là. Ça a toujours été l'idée. Mais avez-vous des questions? Oui, M. Bainville. Au bout du chemin Ryan, là, il y a une option. Qu'ils peuvent y aller là, au Boc. Est-ce que ça comprend ça? Ou... Ça, c'est la frontière entre Alfred Plantagenet et Nation. Ça, ils veulent-tu avoir ce bout de chemin-là? Ils veulent juste ceux qui touchent au bug. Oui, oui, mais c'est carte. Dans le milieu. Et dans le milieu, oui, oui. OK. All right. Parce que moi, je connais du monde qui a des terrains privés en arrière-là, puis ils suivent un petit peu cette emprise-là. Ils ont-tu encore accès à leur terrain? Ils ont le droit de se rendre. Ben, c'est exactement là pourquoi. Il fallait vérifier la carte, M. le maire, puis justement apporter ces commentaires-là à Mme Cooling de Parc Ontario. Okay. C'est exactement le processus puis l'outil là, qu'on fait. Là, c'est pour des situations comme ça. Oui, c'est bon. Parce que je crois qu'il y a l'emprise de chemin, puis juste à l'ouest de là, c'est le MOI. Non. Oui, même oui, qui a un terrain. Là. Parfait. Parce que l'ancien chemin qui allait vers la station d'Alfred, comme c'est là, c'est infesté de castors. Il n'y a pas personne qui peut s'en utiliser. Eh bien. OK. Merci, M. Lafèche. C'est la même chose du côté de en bas de Saint-Maradin, là. Tu arrives au ridge, là, tu continues. OK, ça serait le chemin Blainé. Je sais pas, Guylaine, on va peut-être regarder ça. Parce que je sais qu'il y a du monde qui se promène sur ce chemin-là, en camion. 4x4, tu peux te promener, là. Oui. Au bout de ça, il y a des terrains qui appartiennent à la province aussi. Tu arrives au chemin, si tu reviens à gauche, là, il y avait déjà un chemin là, mais je sais qu'il y a des castors, là. Oui, oui, c'est ça qu'on va vérifier. OK. Oui. Oui, OK. Puis même s'il faut prendre un véhicule de la municipalité, on ira checker ça, Guylaine. Mais moi, me dire tout, à mes chevreuils qui se cachent, pour pas que t'es voyé. C'est bien. OK. Salut. J'ai d'autres sujets, M. le maire, à l'heure du jour, je pense. OK. Oui, c'est juste le premier. J'ai dit que tu n'avais qu'à. OK, bon, c'est bien. Le deuxième, j'ai pas l'ordre du jour devant moi, M. le maire. Est-ce que OK, c'est interdiction des parcs éoliens dans la municipalité de la Nation. Ton mémo. Oui. OK. Alors, c'est le mémo qu'on a reçu de nos consultants de WSP concernant les parcs éoliens dans la municipalité. Alors, si vous avez eu la chance de lire le mémo, il n'y a rien aujourd'hui qui nous permettrait de réglementer les éoliennes malgré que la loi là, sur l'énergie verte a été abolie. Le plan officiel des Comtés unis n'a pas été modifié pour justement rencontrer le but là, de la loi. Ceci dit, il y a eu une municipalité qui ont voulu ajouter des outils pour permettre justement à la municipalité de réglementer les parcs éoliens.
Et puis, c'est la municipalité de Prince Edward County. OK. Ça c'est single tier, hein? Oui. C'est upper tier. C'est pas ça qui a pu faire les autres plus faciles. Oui. OK. Ben là, on va voir, écoutez, on va regarder sur notre côté. J'en ai parlé avec les Comtés-Unis de Prescott-Russell. Pour tout de suite, ils ont dit, écoutez, on va regarder avoir des dispositions dans le règlement. Puis lorsque ça va être la première ébauche du plan officiel des comtés, on pourrait justement envoyer une résolution ou une lettre de la municipalité si vous désirez avoir justement ces outils-là pour réglementer les éoliennes, parce qu'on aurait le droit de le faire. Je vais attendre le plan officiel va commencer bientôt. Ils vont l'annoncer dans tous les journaux. Il y a du monde privé qui peut faire des soumissions aux Comtés-Unis. Et puis nous autres, la municipalité, si vous êtes intéressé de faire quelque chose de semblable, ça se fait. La demande aux Comtés-Unis. Ça ne veut pas dire automatiquement ça ira. Parce que je sais que des éoliennes dans le bout de Saint-Albert et ouais. Après ça, M. Fort, as-tu attendu du monde qui a tombé malade là, pour ces éoliennes-là? Non? OK. Parce que j'avais peur de ça, moi. Bon. Monsieur le maire? Oui? Oui. À ce sujet-là, je pense que ça serait peut-être bon aussi d'avoir la discussion autour de la table du conseil. Parce que dans le temps où il y a eu, on s'en rappelle, là, moi je m'en rappelle en tout cas, toute la question de M. Brière, lui, est en vacances à ce moment-là. Mais il y avait eu beaucoup d'opposition au projet, mais c'était le projet de Saint-Isidore et Saint-Bernardin spécifiquement. Donc, je pense qu'on ne peut pas prendre de décision basée sur quelque chose qui était très spécifique, parce que je pense que d'un côté, c'est pas autant le fait que les gens étaient contre l'énergie éolienne, mais étaient contre l'emplacement qui était proposé. Alors, je pense que je peux comprendre que les Comtés-Unis, je pense pas qu'eux seraient prêts à changer nécessairement le plan pour ça, mais je pense que ça mérite peut-être une conversation, parce que dans notre plan de développement économique pour la nation, on parle d'une municipalité verte. Donc, on parle d'encourager le développement puis être innovateur au niveau de l'énergie renouvelable qu'on pourrait. Puis ça, c'est pas juste les éoliennes, ça peut être l'énergie solaire, ça peut être bien d'autres choses. Mais je pense que ça mérite une conversation avant d'aller au comté avec une raison. OK. Monsieur Guilin, c'est quand qu'on sera prêt à mettre des soumissions à M. Prévost au plan officiel, s'il vous plaît, apporter le sujet pour une discussion, une session de conseil. Moi, je suis bien d'accord avec ça aussi, parce que il y a beaucoup de choses dans l'avenir qui s'en vient. La ville d'Ottawa est supposée d'être en 2050, sans clair et net, là, sans gasoline ou sans énergie fossile. Ça fait que ils vont servir de tous les environs, puis on peut tomber dans Prescott-Russell, on peut tomber dans cet arrondissement-là pour fournir l'énergie à la ville d'Ottawa. C'est quelque chose que je ne voudrais pas avoir. C'est bon. Parfait. Alors, ce mémo-là, on va le rapporter au conseil en temps et lieu. All right. Merci. Là, la prochaine, c'est 7.13 PLA 10-2021. C'est modification zonage complexe sportif à Limoges, Guylaine. Oui, c'est simplement avoir une résolution du conseil pour initier, pour approcher là, le conseil scolaire et puis approcher aussi DEVCOR pour recommencer la demande de modification zonage concernant la hauteur du complexe. Comme vous le savez, on a une hauteur maximum, nous, dans la municipalité, de 12 mètres, mais le complexe a une hauteur moyenne de 17,5 mètres. Alors, il faut modifier le règlement à ce sujet-là. Alors, c'est simplement ça. On peut faire... OK. Guylaine, qu'est-ce que tu penses? Une modification au règlement au complet ou ben juste par cas comme ici, là? Non, juste par cas. Oui, parce que tu vas en avoir d'autres fois, d'autres
situation. Tu vas faire du parcours, c'est? Oui, mais c'est parce que là, je pense pas qu'on va rentrer un autre complexe sportif dans la municipalité. Non, je veux dire d'autres hauteurs dans la municipalité. Ah, non, non. Le règlement d'hauteur qu'on avait passé, c'était la limite de 45 mètres. Alors, on est très loin de ça. Okay. Ça, ici, c'est spécifiquement pour la zone institutionnelle. Là. All right. OK, je comprends. C'est bon. Merci. All right. Y a-t-il d'autres questions là-dessus, membre? Non? OK. Alors, attendu que le service à l'aménagement du territoire recommande que le règlement de zonage 2-2006 soit modifié pour permettre une hauteur maximum moyenne de 17,5 mètres au lieu du 12 mètres pour la construction d'un complexe sportif, et attendu que le SAT doit approcher les parties en question pour la soumission d'une demande de modification au règlement de zonage, qu'il soit résolu que le conseil municipal initie le processus de modification au règlement de zonage pour la construction d'un complexe sportif et qu'aucun frais d'application ne soit chargé. Proposé par M. Brière, appuyé par Mme Lassie. OK. Tous d'accord? Adopté. OK. La dernière, c'est les signatures multiples pour les lotissements. Oui. On vous apporte ça, M. le maire, c'est parce que sous le règlement 6-2020, le service d'aménagement du territoire a le droit d'exécuter les ententes de lotissement. Et il y avait comme une zone grise que, tant qu'à perdre mon temps, à essayer de figurer la zone grise, puis peut-être qu'on va apporter un amendement, justement, au Delegation of Authority pour le mettre plus clair. J'ai décidé d'apporter là une résolution permettant le maire et la greffière de signer les multiples... subdivision ou lotissement qui s'en viennent là, dans la prochaine année là, pour la municipalité de la Nation. Alors, il y avait une zone grise. Ça a pris 2 secondes de le faire. Alors, on vous a mis la liste. Là. Vous les avez déjà toutes vues. On a déjà eu à plusieurs reprises des réunions publiques sur ces lotissements-là. Vous êtes au courant. C'est des beaux projets qui s'en viennent. C'est simplement là, pour faire... juste être certain de notre coup. Là. OK. Mais juste pour ça de la liste. Le premier lotissement, c'est Bélisle, chemin Baker, Miron, chemin Baker, oui. Benoît, la rue Macabre-Saint-Albert, LGN, oui. La rue Orzion à Saint-Albert, oui. LGN, ça c'est Guy Legault. M. Legault, OK. Oui. Livia, ça c'est... La rue Saint-Fini. Oui, des bénévoles, OK. Parc des Dunes, ça c'est à Limoges, ça c'est à côté de Savage. C'est bien ça. Et puis Garland Shea, ça c'est juste à côté de les dunes. C'est ça. OK. Tu donnes correct avec ça, avec cette liste-là? OK. D'abord, on va lire la résolution. Attendu que le conseil municipal a approuvé le règlement 6-2020 dédiant l'autorité d'exécution des ententes de lotissement présentées au conseil, qu'il soit résolu que le conseil municipal autorise le maire et la greffière de signer les ententes de lotissement énumérées dans la note de service PLA 11-2021. Proposé par? Oui. M. Poirier et appuyé par? M. Brière. M. Brière. Excellent. OK. Tous d'accord? Adopté. All right. Monsieur La Flèche, c'est tout ça, c'est bon? OK. On va procéder. Le rapport de Todd Bailey, les statistiques, c'est bâtiment. Qu'il soit résolu que le conseil reçoive des rapports mensuels portant sur les permis de construction pour le mois de juillet 2021. Ou désolé, ça devrait être juin. Mois de juin 2021. Oui, je vais proposer. Parfait, merci, Mme Nantier. Appuyé par M. Mainville. OK, merci. Vous avez vu comment on est... À part tous les autres bâtiments, on est à 69 unités de résidence. Très bien, bonne année. Ça s'annonce bien, ça fait de la croissance. Tous d'accord? Et adopté. Le prochain, Mme Roy, vous allez nous dire, c'est quand nos invités sont là? Oui, ils viennent de rentrer. Donc, on va terminer le rapport de drainage. Ensuite, on peut y aller. 7.3, hein? Vous l'avez lu, comme ça on va lire la résolution.
qu'il soit résolu que le Conseil approuve les recommandations telles que présentées dans le rapport Drainage 03-2021 et que la firme LaSalle Engineering Associates Limited soit embauchée afin de réviser l'évaluation des drains municipaux Richard Lafrance et Roland Martel, de préparer un nouveau plan des limites versants de chaque bassin qui fait l'objet d'un lotissement sur la propriété de la partie du lot 7, concession 8, conformément aux articles 65.1 et 65.4 de la Loi du drainage de l'Ontario, 90, qu'il soit résolu que le propriétaire paye 100% des frais de l'ingénieur. Proposé par? Oui. Mme Lantier et appuyé par M. Mayville. Merci. Tous d'accord? Adopté. Bon, ça c'est... ça fait tout. Ça, on va revenir. On va aller à notre délégation, Maison Interdite. Bon. Bonjour. Voulez-vous partager votre écran ou voulez-vous que je partage la présentation? Bon, ça va aller. Merci beaucoup. Je vais partager l'écran de mon côté. Ça va être peut-être plus facile. Parfait. Merci. Ben, bonjour à tous. Merci. Bonjour, madame. Merci de nous recevoir à votre conseil aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vais vous partager mon écran. Et je dois choisir celle-ci, si je ne me trompe pas. Est-ce que... là, vous ne voyez pas mon plein écran, je crois, hein? Je n'ai pas le bon. Oui, oui, on voit plein écran. Oui. Oui, mais est-ce que vous voyez deux diapositives côte à côte? Non. Ok, bon, ben, parfait. Excellent! Ça... j'ai réussi. Donc, je m'appelle Marie-Pierre Danjou, je suis agente de communication et de développement communautaire pour Maison Interlude House et j'ai la joie de faire la présentation accompagnée de ma directrice générale, Muriel Lalonde, qui va vous expliquer un peu qui nous sommes à Maison Interlude, notre mission, notre vision. Et je reprendrai parole pour la suite de la présentation. Et naturellement, Muriel sera aussi à votre disposition si vous avez des questions à la fin. Alors, Muriel, je te cède la parole. Merci. Merci, Monsieur le maire et chers membres du conseil de nous recevoir. Ça nous fait plaisir d'être. Donc, un petit peu d'histoire, qui nous sommes. Donc, Maison Interlude, c'est un organisme qui vient en aide aux femmes victimes de violences pour tout l'Est de l'Ontario. Tous nos services sont gratuits et offerts aux résidents des comtés de Prescott, Russell, Sturman, Dundas et Glengarry. En tant qu'organisme francophone, nous sommes fiers de pouvoir offrir nos services en français et en anglais. En plus de venir en aide aux victimes, MIH a pour mission de sensibiliser la communauté et à la violence faite aux femmes et de participer à la lutte pour l'éradiquer. Un peu d'histoire, donc Maison Interlude a été fondée en 1983 par un groupe de femmes qui voulaient venir en aide aux femmes qui vivaient de la violence dans la région de Prescott-Russell. Donc, une maison a été créée à ce moment-là. Ensuite, au fil des années, nous sommes devenus une agence multiservice pour mieux répondre à la clientèle, aux besoins des victimes. Donc, en 2003, la maison d'hébergement qui existait à Alexandria, donc ces deux maisons d'hébergement-là ont amalgamé ensemble pour devenir Maison Interlude. Et puis, depuis 2003, comme je mentionnais, là, le mandat a été élargi et nous desservons maintenant les 5 comtés. Merci, Muriel. Donc, comme Muriel le mentionnait, on est plus qu'une maison d'hébergement. Bien, naturellement, on a toujours notre maison d'hébergement d'urgence qui est là, qui est située à Oxbury. On va en parler un petit peu plus tantôt. Mais il y a également les services d'approche, qui est une grande partie de ce qu'on fait. Donc, ce qu'on pourrait dire qui sont les services qu'on offre à l'externe, des femmes qui n'ont pas besoin d'hébergement d'urgence. Et c'est surtout à ce niveau-là qu'on s'en va dans les 5 comtés. On va vous l'expliquer un peu plus en détail aussi tout à l'heure. On offre de l'aide de 24/7 également. On est toujours à l'écoute pour les victimes. On a différents programmes aussi. On aime bien mentionner le programme Animaux, qui est un partenariat fait avec un organisme local qui prend en charge les animaux domestiques de nos usagères pendant leur période d'hébergement ou pendant leur période de relocalisation, parce que souvent, c'est un enjeu. Puis, en maison d'hébergement, on ne peut pas naturellement accepter les animaux de compagnie. On a également le mandat de sensibiliser à la cause de la violence faite aux femmes, également nous faire connaître. On va en parler un petit peu plus tantôt. Et on compte également un super réseau de bénévoles qui nous aide beaucoup, le réseau Main dans la main. On va pouvoir vous expliquer également ce qu'ils font avec nous. Mais d'abord, au niveau de la maison,
C'est vraiment une maison qui est très accueillante. Lorsqu'on passe devant sur la rue, bien, on ne peut pas vraiment savoir que c'est une maison d'hébergement parce que c'est ça le but, dans le fond. On y a des aires communes accueillantes, une halte garderie, une cour très privée. Et on y accueille toutes les usagères de Prescott Russell. On est un organisme bilingue, donc on va servir nos usagères autant en français qu'en anglais. On y retrouve plusieurs chambres, une capacité totale de 10 lits, la présence d'une conseillère à l'hébergement qui est là 24 heures sur 24. C'est naturellement un endroit sécurisé et confidentiel. En hébergement, on offre également le programme enfants-ados. Donc, pour les enfants et les adolescents qui résident à l'hébergement, avant la pandémie, ce même programme-là était offert à tous les enfants ados de nos usagères et on allait les rencontrer à l'école. Mais à cause de la pandémie, ce volet-là a dû être arrêté pour le moment, mais les enfants reçoivent du counseling individuel, des outils pour comprendre la situation entre maman et papa, la planification de leur sécurité aussi, du soutien pendant la transition familiale et ils apprennent à comprendre le cycle de la violence. Les services d'approche, bien, comme je vous le disais, c'est une grosse partie de ce qu'on fait et on le fait via nos 6 bureaux satellites qui sont répartis dans les 5 comtés. Donc, les femmes vont aller rencontrer leur intervenante pour recevoir counseling, plan de sécurité, accompagnement juridique dans tout le processus légal, aide au budget, au logement, à l'emploi et également référencement vers d'autres services de la région. On va avoir un peu de statistiques tantôt pour démontrer aussi combien de femmes reçoivent les services là, dans les 5 comtés. Je vous disais qu'on avait de l'aide 24/7. On a une ligne téléphonique de crise qui est en place depuis bon nombre d'années déjà. Donc, c'est ça qu'on peut appeler à toute heure du jour. Il y a toujours quelqu'un qui va vous répondre à vos questions. Par contre, avec la pandémie, on s'est rendu compte que ça pouvait être plus difficile pour les victimes de demander de l'aide parce qu'ils étaient en présence 24 heures sur 24 avec leur agresseur en raison du télétravail, du stay-at-home order puis tout ça. Donc, on est arrivé avec une solution où les femmes peuvent aussi nous rejoindre par clavardage et par texto. Donc, une façon beaucoup plus discrète de communiquer qui ne fait pas de bruit. Puis, si jamais l'agresseur dort, fait une sieste ou quoi que ce soit, ça peut être plus facile de nous rejoindre. Donc, on a lancé ça en décembre dernier. Ensuite, également, en temps normal, on a différents groupes de soutien qui sont en pause encore à cause de la COVID. Et normalement, on a Filles fantastiques, Jeunes femmes en action, Parcours à la découverte de soi, Triple P, Informel. Et on fait également la coanimation avec des groupes de partenaires du milieu. Mais pour pallier à ça, on a fait comme tout le monde, bien, on s'est en allé en mode virtuel. Donc, on a offert une série de webinaires, de conférences et même depuis le mois de mai, on a lancé une série de balados également qui s'appelle « Personne n'en parle » et où on a le plaisir d'accueillir des invités. Puis, on parle de sujets pas faciles comme, oui, la violence faite aux femmes, mais on a parlé de santé mentale, de la traite des personnes, de toxicomanie. Bref, la liste est longue présentement. On est en pause pendant l'été, mais ça va reprendre en septembre. Si jamais vous voulez aller les visionner, mais sur YouTube, vous pouvez juste marquer « Personne n'en parle » ou « Maison interlude », vous allez pouvoir les visionner. En début de présentation, je vous ai parlé de notre réseau de bénévoles « Main dans la main » qui est très précieux. C'est grâce à lui, Maison Interlude peut offrir des services qui sont connexes, dans le fond, à notre mission. Nos bénévoles vont assurer le transport de nos usagères qui n'ont pas de voiture ou pour qui les transports en commun ne sont pas vraiment une option. Donc, ils vont aller les chercher à domicile et les amener à leur rendez-vous avec leur intervenante. Même chose pour le gardiennage. Donc, on va avoir une bénévole qui, en même temps, va aller chercher l'enfant. Ils vont s'en aller dans un centre de la petite enfance, dans une garderie, dans le fond. Ça n'a pas lieu au domicile de la victime parce que ça pourrait être naturellement dangereux. Et également, nos bénévoles prennent en charge tous les articles de seconde main et on en a beaucoup. On a notre boutique pastel. Dans le fond, nos femmes vont trouver tout ce dont elles ont besoin pour prendre un nouveau départ. Donc, on a vraiment les vêtements pour toute la famille, articles de maison, meubles, électroménagers.
Et depuis quelques semaines seulement, notre boutique ouvre même ses portes au public. Deux fois par semaine, les mardis et jeudis, le public peut aller magasiner, acheter des articles de seconde main à prix modique. Ça aide à financer également le travail de nos bénévoles, le kilométrage et puis tout ça. Par contre, naturellement, pour nos femmes, ben, là-bas, elles magasinent sans frais. Tout est offert gratuitement. Quelques chiffres pour vous résumer ce qu'on fait chez MIH. Ça, c'est les chiffres pour l'année 2019-2020 qui sont un peu plus représentatifs. On a maintenant les chiffres de 2020-2021, mais comme il y a eu la COVID, il y a beaucoup de programmes qui ont dû être abolis. Ce n'est pas représentatif de ce qu'on fait habituellement année après année. Donc, on vous présente ceux-là qui sont un peu plus réalistes. Donc, on répond à un peu moins de 1000 appels sur la ligne de crise en un an, à plus de 5000 appels d'information et de soutien. C'est tout près de 3000 heures de counseling qui ont été données par nos 25, on est environ une vingtaine, entre 20 et 25 employés. On peut compter sur un réseau de bénévoles d'environ 15 bénévoles, plus les membres de notre conseil d'administration, naturellement. À l'hébergement, on a eu 37 femmes et 28 enfants qui ont séjourné durant l'année. Par contre, quand je vous disais que les services d'approche, c'est le gros de notre travail, bien, on a eu 475 femmes réparties dans les 5 comtés qui ont bénéficié des services d'approche. Donc, c'est une grosse partie de ce qu'on fait. Si on regarde un peu la carte comment les usagers sont répartis dans les cinq comtés, bien, on a 3 régions qui sont ce qu'on pourrait appeler des hotspots, dans le fond. Plus la couleur est foncée, plus on a d'usagers qui viennent de ce coin-là. Donc, c'est vraiment au niveau de Cornwall, Kwasasne, de Hawkesbury et également là, de Rocklin, où on a le plus grand nombre d'usagers. Et si on regarde de votre côté à la Nation, l'année dernière, donc on a eu, je crois, c'est 9 femmes qui ont bénéficié des services de MIH qui prenaient de la Nation. Vous avez les villes, donc Saint-Isidore, Fournier, vous les avez décrit la provenance de chacune des femmes. Quelques chiffres inquiétants au Canada. Une femme sur 3 de plus de 16 ans déclare avoir été victime de violence, qu'elle soit physique ou sexuelle. Et tous les 6 jours, une femme est tuée par son conjoint ou son ex-conjoint. Mais à l'heure actuelle, où on se parle, avec les 6 premiers mois de l'année, on a un bilan qui est bien pire que ça. On a eu récemment, Muriel me fait parvenir, le premier article ontarien qui portait sur le nombre de féminicides, parce que je ne sais pas si vous avez entendu parler du côté du Québec, la situation est alarmante, puis tout ça. Bien, on a réalisé que c'est exactement la même chose en Ontario. Présentement, pour les premiers 6 mois de l'année, c'est le double de meurtres de féminicides qui a eu lieu. Donc, c'est tout aussi grave ici, ce qui se passe au niveau des féminicides, de la violence conjugale. Donc, on n'est pas la seule maison d'hébergement. Puis peut-être pour un peu mieux comprendre comment ça fonctionne, bien, il y a nous, Maison Internet House, qui dessert toute la clientèle de Prescott Russell, qu'elle soit francophone et anglophone. Mais on va aussi accueillir à l'hébergement toutes les femmes francophones de SDG aussi. Puis de l'autre côté, donc, dans SDG, la maison Baldwin et Naomi Center qui sont là, qui aussi se divisent la tâche dépendamment de où proviennent les usagères. Dans la présentation, vous allez trouver aussi d'autres ressources dans la région qui sont en lien avec la violence faites aux femmes, si vous voulez. On a surtout mis les références francophones parce que parfois, elles sont un petit peu plus difficiles à trouver. Mais si vous allez sur notre site web, vous allez avoir l'ensemble des ressources qui existent là, au niveau de la violence faite aux femmes. Alors, c'est ce qui conclut notre présentation. Je ne sais pas si vous avez des questions pour Muriel ou pour moi. Merci, Marie-Pierre et Madame Lalonde. Juste une question. La boutique Pastel, si quelqu'un veut aller donner des dons, est-ce que l'endroit de la boutique est confidentiel? Non, plus maintenant. Dans le fond, puisqu'on ouvre au public, l'adresse, c'est le 256 Boulevard Industriel à Alexandria.
Si jamais vous voulez porter des fonds, si jamais vous avez des électroménagers, c'est plus volumineux puis tout ça, bien, vous pouvez communiquer directement avec nous là, à la maison Interlude, puis que ce soit par le courriel général, que ce soit par notre page Facebook, puis nous, on vous met en lien vraiment avec la responsable des dons. Mais sinon, même présentement, comme c'est connu, les gens vont même déposer sur place là, quand c'est des sacs de vêtements puis tout ça. Oui, c'était surtout pour du linge. Et puis, je sais une fois, moi et mon épouse, on a fait, on avait été chercher des cartes de crédit d'une pharmacie, puis on avait été... mon épouse avait trouvé une place pour aller mettre ça. Surtout, ça prend des toiletteries, des affaires comme ça, tout ça. Puis, des fois, puis pas juste le nécessaire. Il aime ça se gâter aussi un petit peu, là, du maquillage, toutes sortes d'affaires. Peut-être des fois, des hommes, d'autres, on ne prend pas ça au sérieux, mais je crois que c'est très apprécié par les femmes. Tout à fait. Okay. D'autres questions, membre du conseil? Oui, Marie-Noël? Oui, merci beaucoup Muriel et Marie-Pierre. C'était une excellente présentation. C'était vraiment beaucoup de détails. Puis moi, je croyais tout savoir sur la maison Interlude, mais moi-même, j'en ai appris parce que je ne savais pas qu'il y avait la boutique Pastel. Puis il y a d'autres services aussi de soutien que j'ai découvert à travers la présentation. Là, merci beaucoup. Puis juste peut-être pour revenir sur la dernière statistique, Marie-Pierre, que tu as partagée, moi aussi, j'ai vu, je pense que c'était un reportage de ONFR où est-ce qu'il disait qu'il y avait le double, parce que les féminicides au Québec ont retenu beaucoup d'attention et beaucoup sur les réseaux sociaux. Puis moi-même, je me disais, ça ne doit pas être aussi pire chez nous. Donc, quand j'ai vu cet article-là, ça m'a vraiment surpris. Mais je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête parce que je pense que plusieurs des femmes, malgré toutes les femmes qui font appel à Maison Interlude pour des services, il y en a autant, si pas plus, qui hésitent à le faire puis qui devraient le faire. Donc, et c'est pour ça que les féminicides, il faut prendre ça beaucoup au sérieux. Et quand on voit qu'il y a un problème, c'est d'encourager la personne à aller chercher de l'aide, du soutien pour gérer la situation, même s'ils ne sont pas prêts, parce que bien souvent, ce qui est toujours un peu dommage, c'est que les femmes soient elles-mêmes victimes, mais on leur demande à elles de quitter leur foyer avec leurs enfants, avec puis qu'ils se retrouvent avec juste leur possession personnelle qu'ils y ont la chance d'amener avec elles. Alors ça, c'est encore triste en 2020, que ce soit encore le cas. Mais bon, je pense que lorsqu'on regarde dans notre entourage puis qu'on s'aperçoit qu'il y a quelque chose peut-être qui cloche, puis peut-être même qu'on ne sait pas quoi faire, peut-être de communiquer avec la Maison Interlude pour justement avoir peut-être des idées à comment aborder le sujet pour s'assurer qu'elle soit en sécurité. Puis qu'elle ne soit pas victime d'un féminicide, parce que la plupart d'entre elles, je suis certaine, ne pensaient jamais que la personne avec qui ils cohabitent leur ferait du mal, leur ferait du tort, puis irait jusqu'à les tuer, mais évidemment, ça se fait. Oui, c'est sûr, on entend souvent, c'est au moment du départ que le risque est le plus élevé aussi. Donc, oui, on offre du soutien aux victimes, mais aux personnes qui les accompagnent aussi dans leur départ, c'est important que ce soit bien planifié, puis on est là pour ça aussi. Super. Bien, félicitations. Merci pour votre travail. Comme on sait, il y a déjà des femmes dans notre municipalité qui ont bénéficié de vos services, puis on sait qu'il y en aura... Il y en aura malheureusement sans doute d'autres, mais c'est un travail qui n'est pas facile,
parce que c'est toujours des situations qui sont vraiment pénibles pour les personnes qui vivent avec ça, puis pour leurs enfants aussi qui doivent gérer ces situations-là avec leur tête d'enfant puis leur cœur d'enfant, c'est pas évident. Alors, félicitations. Et puis, s'il y a des choses au niveau du conseil, je pense qu'on est ouvert à aider à la sensibilisation et ces choses-là à travers nos propres moyens. Alors, merci. Merci beaucoup, Mme Lalande. Marie-Claire, passez une belle soirée et puis on va se revoir. Merci. Okay. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bye-bye. Bon, je crois qu'on retourne à nos items. C'est 8.1, Mme Roy. Si vous voulez toujours l'appuyer, c'est la résolution d'appui pour la ville de Colborne concernant les City Capital Gain Tax. Alors qu'il soit résolu que le conseil appuie la résolution adoptée par la ville de Colborne portant sur les impôts sur les gains capital sur la résidence principale. Proposé par M. Mainville, appuyé par M. Brière. OK. Ça, vous êtes, on avait parlé la dernière fois, vous êtes au courant, c'est quoi? OK, tous d'accord? OK, adopté, merci. Et on est rendu à 13. Les comptes payables, M. Mainville, c'est à vous. Alors qu'il soit résolu que le conseil approuve les comptes payables jusqu'au 31 juillet 2021, PS justificative 14, pour 456 988,52 sous, proposé par M. Mainville, appuyé par M. Fogg. Merci beaucoup, le Pierre proposeur. Tous d'accord? Adopté. Les rapports mensuels, il y en a un du Bureau de santé de l'Est, la ville flambée. Depuis que les restrictions, il n'y a presque plus de flambée d'autres sortes de maladies dans les résidences, comme ça. Et je crois que... là, à chaque Noël, là, c'est qu'on pogne des petits runes, ça fait comme ça, on se donne des becs, puis on se donne la main. Là. Peut-être ça va changer la prochaine fois, parce que le masque, et puis pas se donner la main, là, ça fonctionne. OK. Correspondance. Il y en a 5. Il y en a-tu que vous voulez parler? Il y en a une que j'ai trouvée un peu bizarre, 16.3, la ville de Kitchener, pour le prix du bois. Mais là, je ne sais pas si les municipalités devraient se mêler dans les marchés publics et privés, tout ça. Là, on ne peut pas faire ça. Par le temps que ça va faire une réaction, le prix du bois va baisser. Il commence déjà à baisser comme c'est là. All right. Comme ça, il n'y a pas rien d'autre. On va recevoir la correspondance. OK. D'abord, ça prend le proposeur. Monsieur Fogg. Parfait, merci. OK. Tous d'accord? Adopté. Bon, les événements à venir. La prochaine réunion ordinaire, le 9 août. C'est là qu'on les invite tout le monde à la salle du conseil, Mme Roy? Les membres du conseil, oui. Et puis, on va calculer pour les membres du public, voir combien de personnes peuvent rentrer, s'ils peuvent rentrer. OK. Comme si jamais les règles vont être plus claires par ce temps-là, comme on va le publier. Comme on va compter nos employés, les conseils, puis après ça, il reste de l'espace pour combien de personnes après ça. C'est ça que vous voulez dire? Oui. All right. Et puis, ça va être tout de même diffusé sur YouTube. Right. Mais ça va... YouTube, ça va continuer pour ça, Internet, ça. C'est ça. OK. J'aimerais ce que... Vous êtes peut-être des stars de YouTube. Ben, pas moi, mais vous autres. Okay. Les clés, on n'a pas... Règlement confirmé, procédure. Alors qu'il soit résolu que le règlement numéro 100-2021 pour confirmer les procédures du Conseil à sa réunion ordinaire du 26 juillet 2021 soit lu et adopté en première, deuxième et troisième lecture, proposé par M. Fogg, appuyé par M. Brière. Tous d'accord?
Adopté. Et l'ajournement à 16 et 14. Proposé par? Oui. Appuyé par M. Parfait, merci. Tous d'accord? Et c'est terminé. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Faites un bel job, Emmanuel.